Au cœur de ce cinquième séminaire gouvernemental, placé sous le patronage du Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso, il sera abordé des questions entre autres liées à la sécurité alimentaire, la vie chère, la revue du programme avec le FMI, l'opérationnalisation du PND 2022-2026 pour impliquer l'ensemble des forces vives dans la lutte contre les antivaleurs en vue d'améliorer le climat des affaires et la qualité du service public. Les objectifs et les résultats qui sont attendus de ce séminaire s'imbriquent et concourent tous vers le même but, à savoir l'amélioration sans cesse des conditions de vie et du pouvoir d'achat des citoyens, gage d'une paix sociale pérenne. Il reste qu'une telle réflexion ne saurait prospérer et produire les effets escomptés si l'on n'aborde pas les questions liées à la bonne gouvernance, à la paix et à la sécurité, que nous avons inscrite d'ailleurs dans le PND au titre des domaines d'accompagnement. Le calendrier de l'action gouvernementale pour les prochains mois et les principales réformes à l'ordre du jour du gouvernement seront également abordés durant ces 3 jours de rencontres trimestrielles gouvernementales. Il nous faut également envisager et imaginer des méthodes plus efficaces, plus efficientes et plus performantes de recherche et de mobilisation des ressources indispensable à la réalisation des 12 batailles du programme d'action du gouvernement et des axes prioritaires du PND 2022-2026. Le séminaire gouvernemental, initié par le Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso, sert d'auto-évaluation des activités de chaque département ministériel.